I doing this? Yo les gens, c'est Artfrog et aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu flash bien sympathique qui se prénomme Hansel et Gretel. Donc je vais jouer aux deux. J'ai déjà joué au 1, donc je vais tester le 2. J'avoue que j'y ai déjà un petit peu joué, oui c'est vrai, mais je tenais à vous le présenter parce que pour un jeu flash c'est vraiment sympathique, il y a quoi s'occuper. Voilà ce jeu là. Mais tout d'abord je voulais vite fait lancer un petit dossier, hop, une petite photo draveur. Tenez, c'est magnifique, voilà. Désolé Raver, c'est plus fort que moi. Donc, on va commencer tout de suite. Clac. Donc, vous pouvez le trouver sur planetgame.com. Comme ceci. Au pire, je mettrai le lien dans la description. Donc, c'est parti. Donc, c'est un jeu totalement mignon, comme vous allez pouvoir le voir, avec des graphismes super mignons. Et pourquoi ça marche pas ? Hop, voilà, c'est bon. C'est Fraps qui a merdé un petit peu. Donc, alors, pour contrôler le personnage, donc c'est que de gauche à droite, avec Q et D, ou alors les flèches directionnelles. Donc là, je fais le petit tuto. Hop, par contre, je vais pas jouer longtemps parce que c'est un jeu qui peut vous occuper une bonne heure. Donc, si je joue un peu trop, je vais vous spoiler. C'est pas dans votre intérêt. Hop. Alors, je vous disais, c'est très mignon. Regardez. Voilà. C'est totalement cute. Oh non. Une vilaine sorcière. Hop. Donc, je... juste faire la première mission, entre guillemets, le premier défi, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc, hop. Et là, il me semble que je vais devoir nourrir... Ouais. Je vais devoir nourrir mon frère qui pionce contre un tronc d'arbre. Ah, ouf. Pourquoi je peux pas ouvrir le sac? Voilà. Bah merde. Ah voilà. Clac. Hop. Ouais, mon frère c'est un ouf, il mange le poulet même avec l'eau, c'est tout. C'est un gueudin. Bon. Clac. Donc là en temps normal, on voit un piège, faut l'esquiver, hein. On est d'accord? Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Mais moi je vais tomber dedans, je vais vous montrer ce que c'est. Hop, et me voilà tombé dans l'antre de la bête. Donc voilà, donc c'est un espèce de monstre bizarre sous forme d'arbre. Et au lieu de te manger ou de te tuer tout simplement, bah lui il fait quoi? Il te propose à manger en fait. Chose totalement normale. Et en fait, mes collègues qui sont assis en face, là, eux, ils ont mangé des... comment dire? Des produits qui ont rapport avec la nature, genre là on propose soit un gland, soit un pied humain. Bon, le choix le plus logique serait de prendre le gland. Mais en fait, si tu manges un gland, bah tu vas te transformer comme l'autre pauvre type là, et t'auras une branche qui va te pousser sur la tronche. Donc c'est pas conseillé, moi je vais bouffer... j'ai jamais essayé, mais moi la première fois je m'étais fait avoir, j'avais pris le gland, là je vais essayer de prendre la jambe. Ouais, donc là on peut parler aux gens, regardez, là lui il montre quoi? On peut pas regarder, non. Il montrait une tête de mort sur des plantes, elle cause pas beaucoup parce qu'elle est morte. Voilà, là ça montre bien qu'il faut pas manger de plantes. Donc là ça a l'air totalement dégueulasse. Mais bon, j'ai faim. Mmh. Mmh, c'est délicieux.
Alors, un bras ou une tarte? Bah, je vous cacherai pas que j'étais juste avant la tarte. Je me suis dit, bah ouais, la tarte, bah, je vois pas pourquoi. Bah, en fait, non, la tarte, il y a une branche qui est poussée sur la gueule après. Donc, on va bouffer du bras. C'est totalement dégueulasse. Allez, vomi. Ah, quand je vous disais que c'était un jeu mignon. Allez, bois. Du bon vin. Et là, normalement, il va me proposer un... Ah, non, c'est pas tout de suite. Bon, on va prendre du poisson pourri. Et des trucs comme ça, bah, en fait, c'est... Tout le long du jeu, vous allez avoir des petites énigmes, des petits trucs à faire. C'est vraiment prenant. Oui, bon, bah, on va manger, hein. Ouais, bon, bah... Tout dans l'élégance. Et le dessert. Et là, si je me rappelle bien de la petite astuce. Hop, il faut boire du vin pour montrer un peu le délire. Et clac, faut cracher sur les bougies pour qu'ils prennent feu. Et voilà. Voilà notre méchant qui court se réfugier. On l'a bien marre sa gueule de connard. Donc... Enfin bref. Et là, on va tout simplement se casser en juif. Même pas je vais aider mes collègues. Hop. On se natchave. Et voilà. C'est tout pour... petit épisode de Hansel et Gretel. Je vais pas vous spoiler parce que c'est franchement pas drôle. Déjà là, si vous y jouez, vous saurez, vous allez savoir comment faire, et c'est pas fun si je le fais pour tous les trucs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, ça ferait plaisir. Ciao ciao.